Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis au Futuroscope. Je suis trop content. Et les filles vont se régaler. Pour être sûr de rien oublier, ce que je vous propose, c'est de faire un point tout de suite maintenant sur toutes les attractions du Futuroscope, toutes celles qu'on a fait, et je crois qu'on a dû toutes les faire au total. On va voir les conseils pour la parentalité, est-ce que ça marche, est-ce que ça plaît, est-ce que ça accroche, est-ce que ça fait peur, est-ce qu'il y a des restrictions. On va regarder tout ça tout de suite. Avant de parler des attractions, je vais vous parler des conditions d'accès à ces attractions. Je vous ai partagé il y a quelques jours quelques petites illustrations sur mon compte Insta et compte Facebook pour récupérer vos questions. Et vous aviez une question concernant ça. Est-ce que les attractions sont accessibles à partir d'un certain âge ou à partir d'une certaine taille? Petite astuce, quand vous arrivez au parc, si votre enfant, vous ne savez pas à quelle attraction il peut accéder, vous allez arriver en rentrant à droite, un espace information où on va mesurer votre enfant et lui confier un bracelet. Ce bracelet va avoir une couleur qui vous indiquera quelles activités il peut faire en autonomie, quelles activités il peut faire accompagner et quelles activités il lui est interdit. On va commencer directement par l'attraction phare un petit peu de cette année 2023, Chasseur de Tornades. On l'a fait deux fois, trois pour moi, parce que j'ai été voir en premier pour voir si ça allait pour les enfants. Ah bah oui, il faut bien se sacrifier. Donc du coup, j'ai été conquis, ça marche très bien et les filles ont découvert ça juste après. Les atouts de cette attraction, t'en prends plein les yeux, ça marche vraiment très bien. Ça secoue un petit peu, oui, ça secoue un petit peu, mais pas non plus de dingue. C'est pas un roller coaster, tu vas pas faire des loopings. Sur ton siège, t'es vraiment bien attaché. Et tu vas avoir en fait une assise qui va s'incliner comme ça, qui va se pencher, et vous allez avoir une rotation en plus de la salle. C'est très impressionnant, et c'est surtout très immersif. On a vraiment l'impression d'être dans une tornade. Le scénario, il marche super bien, il y a un petit peu d'humour, il y a de la surprise, il y a des effets spéciaux qui sont vraiment bluffants. Ça marche. Bien, et du coup on l'a fait deux fois parce que les filles ont voulu le refaire. C'est, vous allez voir, un bon gage de on a kiffé ou on n'a pas kiffé. On a kiffé. Je vais te poser plein de questions sur les attractions. Oui. Ok, et tu me dis ce que tu veux sur l'attraction. Tu as le droit de dire ce que tu en penses. On est parti, let's go. Qu'est-ce que tu as pensé de Chasseur de Tornades? C'était bien. Ouais, c'est quoi qui t'a plu dedans? Le chien. C'était rigolo. Est-ce que ça fait peur? Non. Est-ce que ça fait un peu peur? Non. Est-ce que c'est impressionnant? Non. Tranquille. C'est un peu impressionnant. Ah, quand même. Ton avis sur Chasseur de Tornades? C'était très cool. Ça fait pas si peur. Ok. Ça remue un petit peu, mais pas tant que ça. Si t'es tout au fond, tu reçois pas trop la pluie. Bonne petite astuce. Si vous aviez encore des doutes pour savoir si l'attraction est bien, Théo Wars 2022, meilleure attraction du monde. Quand il avait convenu qu'on aille faire découvrir le Futuroscope à moi et ma petite famille, la première attraction qui m'est venue en tête, c'est l'Extraordinaire Voyage. Quand j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques temps de ça pour le boulot, j'avais adoré. Un gros coup de cœur. Et là, ça n'a pas manqué, j'ai vraiment adoré. Le concept est relativement simple et malin. Nous sommes au cœur d'une agence de voyage un peu particulière, très futuriste, où il y a des portails à travers le monde et on va être à bord d'une sorte d'aéronef, un avion un peu futuriste, où on va pouvoir passer à travers ces portails et se téléporter d'un paysage à l'autre, okay, tout en volant, tel un oiseau. C'est vraiment très contemplatif. Sauf que on a aussi les odeurs qui rentrent en jeu, il y a le vent, il y a un petit peu de bruit, c'est super impressionnant. Le tout d'une façon où on est suspendu, donc on se tient à notre petit harnais comme ça, les pieds on peut les mettre dans le vide ou on peut les reposer, ça peut être impressionnant. Moi perso, c'est pas quelque chose qui me fait spécialement peur, c'est pas vraiment des grosses sensations avec des loopings à corps et tout ça, on est vraiment sur quelque chose de très visuel. On a un effet de vertige qui peut avoir lieu, on peut avoir un effet petit mal de transport et tout ça qui peut avoir lieu parce que vraiment c'est bluffant. Mais si vous arrivez à passer ça, je prends le défi, vous allez sortir de là, vous allez dire, il faut que je le refasse. Nous, ça n'a pas manqué, fait et refait et re-refait. J'ai adoré. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, faites-le. Vous ne serez pas déçu. J'ai trouvé que vraiment, c'était un peu haut. Ouais, t'avais le vertige. Non, c'est juste que si on évitait de mettre le truc où on plonge, c'est là dans la grotte, j'aurais bien aimé. Ouais, mais ça, ça t'a impressionné un peu trop. Non, c'est juste qu'en fait, on fait un pic vers le vide. Mais ça, t'as pas aimé. Trop impressionnant. C'est ça? L'extraordinaire voyage, c'est trop cool, faut juste pas avoir trop de vertige. Ok, à refaire ou pas? Oui. T'as aimé?
Étincelle, la malédiction de l'Opale Noir, une aventure en 4D. Pour ceux qui ont connu, c'est la salle de Scrat, vous savez, l'aventure l'œuf de glace, comme ça, voilà, très, ça parlera à certains. Donc l'idée, c'est que vous suivez une jeune demoiselle qui a trouvé un petit job d'été. Pour elle, c'est la planque, hein, grosso modo, c'est une salle, il se passe pas grand chose, il y a des caisses avec des vieux costumes de super-héros français, voilà. Donc nous sommes avec notre jeune demoiselle en train de faire son job étudiant dans cette salle, quand... Voilà Tipa, qu'il se passe quelque chose de surprenant. Pour une raison que je vous laisse découvrir, elle va enfiler le costume d'une super-héroïne et elle va s'accaparer hein, aussi les pouvoirs. Mais comme l'a dit un certain oncle Ben, à grand pouvoir, grande responsabilité. Et du coup, on se retrouve à poursuivre dans les cœurs de Paris cette aventure qui allie cinéma avec effets 3D et films d'animation. On passe d'un registre à l'autre avec des effets graphiques qui sont vraiment sympas, moi qui aime bien dessiner. Au passage, une super héroïne, c'est cool, et autant vous dire que les filles, elles ont trouvé ça très cool. D'ailleurs, on va laisser la parole à Maï. J'ai adoré. Tant que ça C'est quoi qui t'a plu de vous? Tout. Tout. Le méchant, il est cool. Impressionnant, il fait peur ou ça va? Pas gentil. Pas sympa, ok. Et étincelle? Gentil. Elle est forte? Mmh. Trop balèze. Oui. Rigolote. Étincelle, la malédiction de l'opale noire. C'était très cool aussi. C'est pas fait pour ceux qui n'aiment pas l'action. Ok, ça bouge un peu, il y a de l'action. Oui. C'est pas du calme, c'est... Ça bouge. Pour de vrai. Ok. À faire? Oui. À refaire? Oui. Donc voilà sur une attraction qui va secouer un peu plus, Danse avec les robots. Beaucoup de personnes m'ont dit « Waouh, Danse avec les robots, on peut le faire avec des enfants ou vraiment c'est dangereux ?» Alors on n'est pas non plus sur un checker, hein, on est sur une attraction. Si vous avez un doute pour savoir si vous pouvez le faire, vous ou vos enfants, bah, tout simplement, avant d'arriver à l'attraction, vous allez voir sur votre gauche, vous avez une porte qui vous dit « Observez l'attraction ». Donc vous êtes sur une petite passerelle où vous allez pouvoir voir soit vos enfants, votre chérie ou la personne de votre choix, faire l'attraction ou simplement regarder comment ça se passe avant d'y aller, avant de faire le grand pas, ok? Moi je l'ai fait avec Luna, j'ai bien aimé, moi je trouve ça très rigolo, et on a fait au niveau 1. C'est quelque chose qui peut être un peu impressionnant, mais on n'a pas la tête en bas, il n'y a pas de ou d'effets trop spéciaux. Donc ça secoue un petit peu, mais ça reste quand même plutôt posé. Attention, l'attraction est très courte, hein, c'est une minute de mémoire. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de très long. Ça se fait plutôt bien. Si jamais vous l'avez fait, vous faites « Allez, on y va !» Vous pouvez taper directement le niveau 3. Le niveau 2 a été supprimé, c'est 1 ou 3, ok? Commencez par le 1, pépère, et le niveau 3, vous allez voir, je l'ai déjà fait, ça se fait. J'attends vos retours dans les commentaires. D'ailleurs, demandons à Luna, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Danse avec les robots, c'est trop bien. Est-ce que t'avais pas un peu les pétoches? Non, mais un peu aussi. Arrête de te moquer. Je me moque pas. Est-ce que techniquement, il y avait de quoi avoir les pétoches? Non. Non? Même pas. Qu'est-ce qui t'a motivé ou décidé de le faire? J'y vais, puis voilà. Ok, let's go, quoi. Mais tant qu'on y est, autant le faire. Mais c'est vrai, t'as raison. Est-ce que t'aurais envie de le refaire? Oui. Est-ce que tu ferais le niveau 3? Oui. Ok, on fait un truc. Si on y retourne, tu fais le niveau 3? Juré. Bon, étant donné, comme vous le savez, j'aime pas mentir. Ce que je vais faire, c'est que je vais être honnête avec vous. La maison à l'envers, on l'a pas fait. C'est pas qu'on n'a pas voulu, mais c'est qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde. Voilà. Et donc du coup, ben, il a fallu faire des choix. Est-ce qu'on fait la queue pour la maison à l'envers ou les aventures d'Arthur et les Minimoy qui est juste à côté? Autant vous dire que les filles ont fait un choix qui a été assez rapide. Même si moi, j'aurais bien voulu avoir la maison à l'envers. Donc j'ai échangé avec des personnes qui l'avaient fait. Les retours sont super positifs, c'est impressionnant, on perd ses repères, on fait des photos très rigolotes, ça a l'air très très sympa. Mais j'ai pas pu la faire, donc je peux pas vous dire, personnellement j'ai kiffé, mais les retours que j'ai sont vraiment très sympas. Si vous avez eu l'occasion de l'essayer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse et ça intéressera au plus les autres personnes. Passons à la gyrotour. Alors la gyrotour, moi je me souviens, je l'avais fait quand j'étais tout petit. C'est l'attraction qui me parlait le moins, c'est vraiment, on se retrouve dans une sorte de nacelle comme ça qui monte, qui fait... Hop, un petit tour sur elle-même, hein, et qui, techniquement, vous parle du Poitou-Charentes. Et quand t'es petit, bah, tu te dis, le Poitou-Charentes, c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Je suis pas venu pour ça, au Futuroscope, quand je suis petit. Sauf que là,
ils l'ont mis un petit peu au goût du jour. Alors, on va pas faire pareil, hein, des loopings et va pas tourner en mode... Non, on n'est pas là-dedans. Mais par contre, ils ont changé la présentation. Ils vous expliquent l'histoire du Futuroscope qui déjà parle peut-être plus aux visiteurs. Et il y a pas mal d'humour. Il y a pas mal de petites blagounettes, de petits trucs. Voilà, ça rend la dynamique plus intéressante. Donc, à faire. Petite astuce, moi je vous conseille de la faire au début de votre séjour, comme ça vous avez une super vue sur tout le parc et vous pouvez dire ah oui, donc ça se situe là, ça se trouve là, on commence à un peu se repérer et c'est vraiment très sympa. De la gyrotour. J'ai adoré aussi. Ouais, c'est quoi qui t'a plu la gyrotour? Regarder le parc. Ouais, c'était chouette. C'est très cool, la présentation est trop bien faite et tu as une belle vue. Sébastien Loeb, Racing Experience. On est donc à bord de la voiture de rallye de Sébastien. Ouais, on se permet de s'appeler Sébastien, c'est un gars sympa. Et on a un antivirus à livrer en moins de 4 minutes. Et donc vous aurez compris, l'attraction dure 4 minutes. Autant vous dire que ça trace. Donc ça secoue un peu, mais pas tant que ça. On a une bonne grosse poignée pour se tenir à droite. Au passage, petite astuce, Luna l'a remarqué à la fin, sur la gauche, il y a une autre poignée pour vous tenir à deux mains comme ça. Ça secoue un peu, mais franchement, ça se fait très bien. Pour ceux qui aiment les sports automobiles et tout ça, c'est une occasion de présenter un petit peu votre passion à votre famille et de montrer que voilà, Sébastien Loeb, il a quand même une carrière assez dingue. Donc, si vous avez l'occasion, foncez, c'est vraiment pas mal. Sébastien Loeb, comme chasseur de tornades, ça rue. Ça t'a plu? Oui. Nous, durant le séjour, on a commencé par la machine à voyager dans le temps des lapins crétins. Donc, le pitch, vous êtes sur un petit wagonnet et vous allez comme ça suivre les aventures des lapins crétins, trois comparses qui sont sur une machine à laver qui voyage à travers le temps et vous allez passer hop d'un visuel à un autre. Et petite particularité, vous avez des choses qui vous chatouillent à droite, à gauche, un petit peu d'eau. C'est rigolo, ça marche bien. Donc on a commencé par ça, en 4D, donc avec donc, les lunettes et les petits éléments extérieurs. Ça marche très bien, les enfants ont adoré. Et bim, 2014, le Futuroscope, The Awards, la machine à remonter dans le temps, meilleure attraction du monde. Alors l'attraction qui va arriver, autant vous dire qu'elle a été appréciée par les filles. Arthur, l'aventure 4D. Je vais bien vous la présenter, mais elles le feront mieux, donc on va gagner du temps. Les filles. Alors Arthur et les Minimoys d'abord montent dans un ascenseur et on se retrouve sur le dos de Coccinelle. Ce qui tombe bien parce qu'on a légèrement rapetit à la taille d'un Minimoys. Ce qui n'est pas grand. Ce qui fait combien? 2 mm. 2 mm. Ce qui est vraiment petit en fait. Oui. Et ensuite... On plonge réellement dans le monde d'Arthur, car on a 3 minutes pour ramener Arthur à la salle qui le transfère du monde de Minimoys au monde humain. D'accord. Moi, je trouve que c'est super chouette. Je le conseille, c'est assez familial. Faut un petit peu aimer les sensations et essayer d'être devant. C'est là où vous en avez le plus. Oui. T'es d'accord, Maëlie? Oui. Ça t'a plu? Oui. Est-ce que vous êtes au courant que ça a été élu l'une des meilleures attractions du monde? Eh bien, j'espère. Ouais. Ça le mérite? Oui. Ok, ben merci beaucoup. De rien. Bon, alors on va changer radicalement. Dans les yeux de Thomas Pesquet, l'IMAX en 4K. Autant dire que t'es là, tu fais « Oh, t'es beau !» T'as des vues magnifiques. Et on va suivre le premier vol donc de Thomas Pesquet du décollage jusqu'à un peu son retour. C'est lui qui filme, hein, tout simplement. Donc, on est aux premières loges. On a la voix de Marion Cotillard qui explique un petit peu en voix off. Ça marche très bien. Entre deux attractions un peu speed, vous voyez, ça pose un peu. T'es pas mal. À faire. Franchement, à faire. Et moi, les filles, elles ont adoré. Le choc cosmique avec la voix de Laurent Deutsch. Pour moi, ça, Laurent Deutsch, il fait beaucoup. C'est-à-dire que t'es dans... une salle avec un écran qui fait tout le plafond, comme ça c'est voûté, et tu vas te retrouver à regarder des planètes, des étoiles, des galaxies, et c'est beau quoi, c'est super beau, ça marche trop bien. La voix de Laurent Deutsch, ça marche parce qu'il fait des blagues et c'est rigolo, et donc du coup tu rigoles par moment,
Les filles ont adoré. Maëlie voilà, parlait beaucoup après de tout ce qui est étoiles, planètes et tout. Ça l'a vraiment intéressé. D'ailleurs, on va lui laisser la parole. Choc Cosmique, c'est super, c'est trop marrant et en plus c'est calme. C'est très bien fait et c'est trop bien. Est-ce que t'as appris des trucs? C'est beau l'espace. Dans Choc Cosmique, j'ai compris qu'à la fin, dans des milliards et des milliards et des milliards d'années, ouais, il allait y avoir notre galaxie d'à côté, okay, celle d'Andromède qui allait nous rejoindre. Ok, c'était chouette? Oui. Passons à la Vienne Dynamique. Alors la Vienne Dynamique, pareil, moi j'ai un attachement à ça parce que la Vienne Dynamique, c'est la première attraction que j'ai fait comme ça avec des sièges qui bougent quand j'étais petit. Oui, j'ai grandi près de Poitiers, donc j'ai eu l'occasion d'aller au Futuroscope. Donc la salle a été revue, les techniques ont été améliorées évidemment, beaucoup plus impressionnantes. Mais voilà, l'histoire elle est mignonne, elle est rigolote. Et puis on s'y attache à ce petit bosquet pour ceux qui voient de qui je parle. Donc ça marche à faire. Attention par contre, ça secoue. Un doliprane et quelques trucs pour le rhume, celui de la Vienne. Tu suggères un petit rendez-vous chez le doc? Oui. Ça t'a plu? Oui. Ça gigote beaucoup. Ça gigote. Ça gigote beaucoup, beaucoup, je crois. Oui. Ouais. Vous aimez se faire balloter. T'as trop aimé l'arbre. Ouais, pourquoi? Il faisait que nous éternuer dessus. Tu fais quoi là? Mettre la branche devant la bouche. Kinekid, bah c'est quoi? Bah c'est une salle en 3D avec les aventures de drôles d'oiseaux. Très rigolo, avec l'histoire de la petite cigogne et des bébés. C'est mignon, c'est rigolo. Moi j'ai bien aimé, j'ai rigolé quoi. Ouais, je suis bon public, mais franchement, on a passé un bon moment. Pareil, entre deux attractions un peu speed, faites-le, les enfants vont adorer. Ça vous pose un petit peu. Et attention par contre, dans la salle d'attente, vous avez des fauteuils. Je dis ça comme ça, mais j'ai surpris un papa en train de taper la sieste. Je suis pas sûr qu'il ait fait la séance après. Je crois qu'il était vraiment parti pour plusieurs séances dans la salle d'attente. J'ai bien aimé aussi, j'avoue. Allô. Ça, t'as rigolé. Là, t'as quand même pas mal rigolé avec les loups, notamment. Formation. Dynamique. Alors, Dynamique, c'est pareil. C'est une des premières attractions qui ont été ouvertes lors du Futuroscope. On l'a pas fait par contre. On l'a pas fait parce que les retours qu'on a eu c'était que ça secouait pas mal. Et vu que je voulais me consacrer à du temps en famille, j'ai pas été le tester. J'ai essayé de me concentrer quand même sur les nouvelles attractions. Pareil, je vais vous mettre à contribution. Si vous avez des retours sur Dynamique, mettez-les dans les commentaires. Ça intéressera toujours les personnes qui verront la vidéo après. Merci d'ailleurs au passage de remplir, hein, de compléter mes dires. Ça engage que moi et mon ressenti. Okay. Objectif Mars, fait, mais pas avec les enfants et pas cette fois-ci. C'est un roller coaster, donc on a une sorte de grand 8, hein, comme ça, où on a les petites nacelles qui vont enchaîner les virages et les hauts et bas, comme ça, très vite. C'est impressionnant, ça marche super bien. Moi à l'époque, elles étaient débridées, c'est-à-dire qu'elles tournaient sur elles-mêmes, maintenant elles ne sont plus mobiles, elles restent bien sur leur axe. Apparemment, vu les cris que j'ai entendus. Ça n'a pas l'air de manquer grand-chose, hein. Ça a l'air d'envoyer quand même du bois. Non, je vous le dis, pour ceux qui l'ont fait, nous sommes d'accord, sans gâcher quoi que ce soit, ça secoue. Ok, je vous l'ai dit là, soyez attentifs. Wink, wink, wink. Donc, on l'a pas fait avec les filles, mais franchement, moi j'ai eu l'occasion de le faire, et je vous le recommande. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est un bon grand 8. On arrive sur Astrafun Experience. Astrafun Experience, c'est simple, hein, l'ancien logo du Futuroscope, à savoir cette forme de pyramide avec cette sphère, ça se passe là-dedans. Et il y a quoi là-dedans? Eh bien, il y a plein de petites animations. Hein. Il y a notamment trois gros toboggans, luge toboggan, c'est-à-dire que tu prends ton petit tapis, tu montes et tu fais des toboggans immenses, qui font plusieurs dizaines de mètres de long. Les filles ont kiffé. Et après, tu as plein de petits jeux en bas. On arrive sur la dernière attraction qu'on n'a pas pu faire, les yeux grands fermés. Alors, les yeux grands fermés, le concept est génial. Les yeux grands fermés, c'est une association de personnes malvoyantes ou même complètement non-voyantes qui assurent cette animation. Je trouve ça excellent comme idée. On se retrouve dans leur situation. Et on va parcourir différents biomes, c'est-à-dire différents univers. Apparemment, on va se retrouver dans un endroit où il y a de la glace, ou en pleine ville, voilà. Et on va se retrouver à échanger, à découvrir un petit peu ce qui se passe.
pas pu faire, comme je disais. Je le regrette un peu, parce que j'aurais bien essayé. Promis, si on y retourne, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous dire ce que j'en pense. En attendant, je compte sur vous. On arrive sur le dernier gros module. Pour moi, c'est vraiment une très très belle réussite, c'est Futuropolis. Alors Futuropolis, c'est pas une attraction, c'est des attractions. C'est la ville des enfants, l'idée. Donc, c'est-à-dire que vous avez les pompiers, la police, le chantier, le petit port. Grosso modo, vous prenez, vous savez, ce circuit pour les petites voitures en moquette là. Vous en faites ça sur plusieurs hectares. C'est très grand. Et donc, vous avez plein de petites attractions, toujours gratuites, où les enfants vont pouvoir aller faire quelques petites micro-animations, moi j'appelle ça, quelques minutes, et puis passer à l'autre, et passer à l'autre, et passer à l'autre. J'ai pas noté de grandes files d'attente sur les attractions. Et pour être pareil, clair, nous, régulièrement, malgré les très grosses attractions, on faisait Arthur les Minimoy, hop, un petit coup de Futuropolis, un petit coup de Tyrolienne, au passage parce qu'on est à côté, et on repart sur autre chose. Futuropolis, très très chouette. Chose que j'ai trouvé super malin, alors on n'est plus trop concerné parce que nos enfants sont un peu grands, il y a un coin pour les bambins. Alors le coin bambin, c'est là où il y a les personnes qui viennent avec des enfants en bas âge, ils peuvent se retrouver à un endroit un peu plus calme, avec plein de pâtes à plancher, des jeux et tout, adaptés aux plus petits. Je trouve ça bien d'y avoir pensé. D'ailleurs, on va faire un truc, c'est que les filles, là, moi je suis tout seul, autour de la personne, quand je tourne cette vidéo, on va pas tricher, on va leur demander qu'est-ce qu'elles pensent de Futuropolis. 10 contre 1 qu'elle nous parle de la tyrolienne. Fait pour les enfants. Ouais. Alors, c'est un coin très cool, avec plein de manèges et de jeux. Il y a la tyrolienne. Mm-hmm. Ça, c'est le meilleur des manèges. Quoi ? Regardez. C'est mon préféré, du moins. Et c'est un endroit cool où tu peux faire plein de choses. Ok. Sinon, il y a Futuropolis. Tu connais Futuropolis ? Oui. C'est quoi ? La ville des enfants. Ok. Il y a quoi d'intéressant à Futuropolis ? La tyrolienne. Ouais, ça, vous l'avez fait quelques fois, je crois. On a bien aimé la tyrolienne. Alors, ça marche très bien. Des aires de pique-nique, je crois. Aussi, ouais, il y a des aires de pique-nique qui sont à côté. Ils sont sympas, hein ? Mmh. Moi, j'ai bien aimé. Niveau spectacle. Très grosse surprise pour Illusio. Le meilleur spectacle de magie que j'ai vu, pour faire simple. Je sais qu'il a été reconnu par prix, je ne vais pas dire de bêtises, je vais l'afficher maintenant ici. Dans ce spectacle nocturne, tout simplement, les filles, ça leur a tellement plu qu'on n'a pas regardé une fois, on l'a regardé deux fois. Oui, oui, le bal est complet, avec les feux d'artifice et tout ci, tout ça, ça ressemblait à ça. Et c'était vachement chouette. Là aussi, récompensé. Pour la restauration, hier soir, on a essayé Space Loop. Space Loop, c'est une sorte de grand 8 avec des plats. C'est pas toi qui fais le grand 8, c'est les plats. Et franchement, c'est super sympa, c'est super rigolo. Et c'est très bon. Je suis désolé, mais moi, perso, j'ai trouvé ça très bon. La quali, elle est là. C'est très quali. Il n'y a pas qu'un concept derrière. C'est vraiment très bon. Space Loop Restaurant. Space Loop Restaurant, c'est cool. Rapide et en plus ça fait des et aujourd'hui on a mangé à midi à la table d'Arthur, petite table d'Arthur très sympa et au niveau quantité tu peux te faire plaisir parce que c'est littéralement à volonté, entrée, plat, dessert, boisson. Petite astuce, j'ai pas fait les tornades juste après, je suis parti plutôt sur un truc plus sweet, tu vois, genre la voûte céleste, les petits animaux mignons. C'était très bien, c'était parfaitement adapté ça. La table d'Arthur. On a rencontré Céline. Et c'est un grand self, donc tu prends ton temps. Tu peux mettre autant de temps que tu veux. Partie préférée ? Le dessert. Pourquoi ? Parce que c'est sucré. La volonté. les restaurants. La table d'Arthur, tu t'en souviens ? Oui,
J'ai adoré. Ok. Qu'est-ce que tu as préféré à la bonne d'Arthur? Manger des pâtes. Et qu'est-ce que tu as adoré? Et Space Loop, tu t'en souviens? Oui. Qu'en penses-tu de Space Loop? C'est cool. Il y a quoi de bien dans Space Loop? Les toboggans! Ah, les toboggans, là, c'était chouette? Oui. Ok. Gros avantage comparé à d'autres parcs, c'est qu'il y a des espaces pique-niques. En effet, les pique-niques sont autorisés. Au Futuroscope, on peut directement s'installer dans des petites zones, regardez, juste comme ça, dédiées. Et donc, nous, on va manger un peu tôt, comme ça, on va pouvoir profiter des attractions par la suite. Et en plus, ça va alléger mon sac. Étant donné que je me connais, je sais que j'ai oublié de vous parler quelque chose. Je sais pas quoi encore, évidemment, mais je m'en apercevrai au montage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'accorder une petite astuce, vous m'en voudrez pas. Admirez le jeu d'acteur. Mais dis-moi, Pierre, tu n'aurais pas oublié de nous parler de quelque chose, n'est-ce pas? Attrape. Je te remercie. Alors, les écologes, ça vient du Futuroscope, mais c'est pas rattaché qu'au Futuroscope. Vous pouvez très bien y aller sans aller au Futuroscope, qu'on soit clair. Mais c'est dans une dynamique un peu plus grande. Le principe des écologes, c'est une sorte de resort un peu, vous savez. Vous arrivez, vous posez les valises, vous êtes là pour plusieurs jours. Donc vous allez pouvoir profiter du Futuroscope, mais d'autres choses. Donc l'idée, c'est ils ont fait venir du bois, des artisans locaux, tout ce qui est charpentier, pour fabriquer les écologes sur place. Ça évite de faire venir des trucs tout près de l'autre bout du monde. Ils ont dit, on a ce qu'il faut pour le faire sur place, on le fait sur place, quoi. Donc, ça marche très bien. Ils ont replanté des arbres pour mettre un peu de verdure sur cet espace avec des bois, enfin des essences de bois locaux, ce que j'ai trouvé malin. Non, c'est très très bien. Niveau confort, ça marche très fort, hein. Franchement, le lit est excellent. Le plus dur, c'est de devoir le quitter, hein. Moi, techniquement, s'il y a un truc que je voulais revenir, c'était pas avec une peluche, hein. Moi, je voulais revenir avec le matelas. J'ai trop bien dormi, c'est trop bien. Il n'y a pas la clim, je le sais. Il n'y a pas la télé, je le sais. Ça m'a pas manqué. Concrètement, la télé, on la regarde assez peu, nous, personnellement, mais vu le rythme de fou, c'est-à-dire que tu enchaînes avec le spectacle nocturne et le lendemain, nous, on voulait repartir sur le parc. Ouais, bon, la télé, je vois pas quand est-ce qu'on devrait regarder. Et la clim, l'isolation est telle que, non, t'as pas chaud, quoi. Enfin, moi, perso, j'ai pas eu chaud. On était quand même le 15 août, donc ça va. T'as un ventilateur, voilà. Mais ils disent, au niveau écolo, tu veux rester sur un principe écolo, écologe, cohérent. Ça marche. Mention spéciale pour le petit-déj. J'ai vu ça, j'ai fait, waouh, c'est un bon gros petit-déj. Pareil, je vous partage les photos si c'est pas déjà fait. J'ai tout mangé. C'est très bon. Pour la partie enfant, truc très très chouette, c'est qu'il y a un petit effet cabane qui marche bien avec deux lits en bas, un lit en haut. Donc ça vous fait quand même 5 couchages très confortables. Je me suis sacrifié, je les ai essayés. C'est très confortable. Et donc nous, petit débat pour savoir qui c'est qui allait dormir en haut. Parce que forcément, les deux veulent dormir en haut. Les deux ont dormi en bas. Et en haut, il y avait un effet cabane qui marchait très bien pour organiser le plan pour la journée qui allait venir. Donc non, ça marche très 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 chouette, très très fort. Le plus dur, c'est de partir. Mais c'est trop bien. Mon avis sur l'écologe. Les écologes, c'est super cool. C'est super beau, tu dors bien. Et en plus, ils t'apportent le petit déjeuner à domicile. Il est beau. J'ai adoré. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de bien à l'écologe? La chambre des enfants. C'est deux lits en dessous d'un lit avec une échelle. Trop cool. Ah, trop cool. Alors, il est temps pour moi de vous partager quelques astuces. J'espère qu'elles pourront être utiles à certains. Il y en a, vous me direz, mais Pierre, c'est évident. Ok. Mais si vous la connaissiez pas, je suis content de vous la partager. On y va. La première astuce, alors on est clairement sur de la logique, l'organisation. Si vous avez deux attractions côte à côte, il est peut-être malin de les faire d'affilée plutôt que de traverser tout le parc et de perdre du temps. Le parc est grand, je vous rappelle, pour aller d'un point à un autre et vous allez vous éviter pas mal de temps de trajet. Ok, ça marche. Vous allez avoir notamment les temps de trajet sur l'application. L'application est très bien faite, vous avez les temps d'attente actuels sur l'attraction. Exemple, les lapins crétins, vous pouvez avoir une heure et demie d'attente. Arthur, une heure et demie d'attente.
Du coup, si vous voyez que vous avez une heure et demie d'attente, bah, dites-vous peut-être « Je vais pas y aller tout de suite, j'irai plus tard, je vais aller faire une attraction où il y a moins d'attente. » Si vous dormez sur place ou vous voulez profiter du spectacle nocturne, il y a de très fortes chances que vous partiez tard. C'est logique. Du coup, il y a des attractions qui ferment tard, justement. Notamment, de mémoire, Arthur et les Minimoy, la Giro-Tour, Objectif Mars, le Chasseur de Tornades. C'est des attractions où il y a beaucoup d'attentes souvent et elles ferment tard. Et il y a moins de monde le soir, on est d'accord, que sur les coups de 14h. Là, on va arriver sur une astuce un peu technique. Je vous explique. Et il y a des attractions qui sont prises d'assaut. Ok, on va dire, bah, normal, les attractions phares un peu, les attractions à sensation. Beaucoup de monde veut aller les faire, et vous aussi, j'en doute pas. Ce qu'il faut faire, c'est, si vous pouvez les faire plus tard dans la journée, bah, vous avez moins de monde. Ok, il y a moins de temps d'attente. Si vous profitez des spectacles nocturnes et tout, allez-y après manger, limite, si vous pouvez. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de monde sur le parc, donc il y a moins de temps d'attente. Ok ? Par contre, tout ce qui est spectacle programmé, genre Dans les yeux de Thomas Pesquet, Choc cosmique, Drôle d'oiseau, j'y pense, et Étincelle, qui vient de sortir, qui sont des très très bonnes attractions. Vu que c'est programmé, ben vous n'avez pas d'attente, parce que vous arrivez à l'heure de la séance, d'accord ? Donc, il y a toute une organisation à se caler avec ça, et franchement, on en a enchaîné plein comme ça. Alors, il y a également des passes. Alors, les passes, c'est quand même quelque chose de super pratique. C'est quand même un peu onéreux. Donc, regardez au niveau du budget. Si vous avez eu l'opportunité, faites-le. Nous, on en a eu un chacun. Ça change évidemment la dynamique du parc. Nous, on avait un pass premium, le Premium Plus, qui vous permet d'avoir 5 passages aux attractions de votre choix sur la journée. Donc, bah, par exemple, Chasseur de Tornades, Arthur et les Minimoy. Au final, voilà, vous allez faire, hop, le petit passage. Ce qui est quand même très, très pratique. Après, vous avez le pass Gold, qui là, est techniquement un pass illimité. Renseignez-vous, ça peut valoir le coup. Petite astuce sur le pass premium, il est non nominatif. Vous pouvez le prendre pour votre tribu. Vous pouvez le prendre à 2, à 3, à 4, à 5. Vous pouvez prendre 2 passes pour 5 personnes. Et un pass pour 5 personnes. Et vous allez pouvoir le mutualiser. Et ça, je trouve ça malin. Astuce évidente, mais si vous ne le faites pas, vous allez perdre du temps. Prenez vos billets en avance. Mettez-le sur votre téléphone. Vous téléchargez, vous mettez ça sur votre téléphone. Ça marche super bien. Vous évitez des heures d'attente sur place pour acheter un billet. Et en plus, des fois, vous avez le meilleur prix. Petite astuce, danse avec les robots par exemple. Vous vous dites, c'est pas grave si je suis pas dans le même robot que mon meilleur pote ou mon frère ou mon enfant. On va se retrouver juste après, le but c'est qu'on le fasse et puis qu'on en parle après. Faites passage solo. Passage solo, il y a 3 attractions de mémoire. Les Lapins Crétins, Objectif Mars et Danse avec les robots qui ont une file passage solo. Ça vous permet d'éviter de faire la queue avec tout le monde. Vous doublez tout le monde. Mais par contre, vous êtes potentiellement seul avec des inconnus. Faut voir si ça vaut le coup pour vous. Mais si vous êtes prêt à ce petit sacrifice, ça peut vous éviter de perdre quelques heures. Chose que j'ai trouvé super maline pour les parents de jeunes enfants, c'est la solution jeunes enfants. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, on va prendre le cas de... Vous avez 2 couples, ok ? Il y en a 2 du couple, chacun, qui va aller dans une petite salle qui s'appelle la solution jeunes enfants, qui va garder les enfants pendant que la moitié des autres couples profitent de l'attraction, elles vont se marrer, puis quand elles vont avoir terminé, hop, on reprend le binôme et ça sera leur tour. Et ils sont prioritaires, ils n'ont pas besoin de refaire la queue. Et ça, c'est super malin. Et en même temps, les enfants, ils ne sont pas inquiets, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont leurs parents, qui s'occupent d'eux. C'est tout bête, mais c'est super malin. C'est vraiment là où on voit que les familles sont une priorité pour eux. J'ai trouvé ça très cool. Petit aparté pour les jeunes enfants, il y a un service de prêt de poussettes gratuit. Voilà, donc vous pouvez demander à ce qu'on vous prête une poussette, vous déposez votre carte d'identité et vous récupérez votre carte en échange de la poussette le soir, ce qui peut vous éviter de trop vous charger lors de ce voyage au Futuroscope. Dans les astuces, ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est qu'il y a différents points espace bébé avec micro-ondes, table à langer et tout ce qu'il faut pour s'installer, pour nourrir votre enfant dans le calme. Ça, c'est très malin. Et 2 dernières astuces pour les familles. Un, il y a un tarif pour les familles, le format tribu, et c'est gratuit pour les moins de 5 ans, ce qui est pas mal. Bon, et dans les dernières astuces, je trouvais ça plutôt malin, c'est que vous avez le poste de secours qui est en plein milieu du parc sur Futuropolis. C'est-à-dire que c'est là où il y a la plus grande concentration d'enfants. Donc ils ont dit, on met le poste de secours ici. Vous verrez, il y a un drapeau avec la croix premier secours, quoi. Repérez-le si vous avez des enfants, toujours utile. J'ai peut-être oublié des choses, mais une chose est sûre, par contre, c'est que je vais pas oublier de remercier les personnes sans qui, on n'aurait pas pu profiter en famille de cette sortie. La première, c'est évidemment le Futuroscope, avec tout son personnel. Franchement, les professionnels, les personnes qui nous accueillent sont charmantes, à l'écoute. Ils essaient de nous rendre service quand ils peuvent et tout, c'est très 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 chouette. Et le personnel des écologes.
Bon, sans oublier quelqu'un. Hein. Oui. Vous. Bah oui, je vous remercie. Parce que bah, si vous suiviez pas mes petits dessins et mes petites bêtises en vidéo, bah, j'aurais pas pu en profiter avec mes enfants. Ça paraît tout bête. Ça paraît tartiné de bonté et de gentillesse. Ça l'est peut-être un peu. Mais en tout cas, c'est très sincère. Non, permettez-moi simplement de vous remercier. Je vous remercie beaucoup. Et par contre, on a pris le temps de papoter un petit peu. Et s'il en manque, promis, je le fais au montage. Mais là, faut vraiment que je retourne avec mes filles et ma petite femme. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens sur le futur horoscope? Déjà, commencez par ce que vous préférez. Et à la fin, si vous restez deux jours, faites tout ce que vous avez préféré une ou deux fois. Ce serait ton avis, ton conseil? Et faites tous les planétariums. C'est, ça vaut le coup. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui iraient au futur horoscope? S'ils ont des enfants, allez à la tyrolienne. Ouais. Et en famille, allez voir Arthur être. Allez voir Arthur et les Minimoys. Ça, c'est les deux gros conseils. Si vous avez le futuroscope, vous faites ça. Faut pas, c'est pas négociable, faut le faire. C'est ça? Et le soir, voir le spectacle. Ça vaut le coup? Oui. Tu l'as vu combien de fois le spectacle? Deux. Eh ben écoute, tu peux leur dire au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.